Sandrine. Ma petite Sandrine, comment je l'ai... Alors, j'ai préparé avec une coach, qui s'appelle Juliette Molt, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui m'aide beaucoup dans les rôles un peu difficiles comme cela, parce que j'ai vraiment besoin de dissocier. C'est toujours la même coach qui vous accompagne? Écoute, oui. Ouais. Ah, ouais. Écoute, oui, maintenant, ça fait 10 ans, et j'ai une telle relation avec elle, ça va très vite. Mmh, voilà. Et comment elle vous fait travailler concrètement? Et donc là, je l'ai appelée avant d'accepter le rôle en me disant j'ai peur, je sais pas si je vais y arriver. Cancer du sein, moi je suis tellement à fond dans mes rôles, j'ai tellement d'investissement, j'ai tellement à cœur mes personnages que de temps en temps, voilà, il y a des choses qui me bouleversent, qui m'affectent et en même temps qui me font grandir dans ma vie personnelle. Si jamais j'ai peur, il faut que j'y aille quand même. Voilà, ces challenges-là. J'aurais pas forcément avec une série si jamais je connais le personnage par cœur. Mmh. Donc là, c'est une découverte, un nouveau personnage, et je lui dis comment je peux me protéger de ça et tout. Et donc, on a travaillé sur la dissociation. C'est réellement un personnage. Et avec ses peurs à elle, ce qu'elle a appris de la maladie, ce qui l'a fait grandir. Et j'ai essayé d'y mettre une notion de la maladie, le maladie là-dedans, de savoir la remise en cause qu'on peut avoir après 2 ans de chimio, à 2 ans de difficultés.